Salut tout le monde, à tous ceux qui regardent. Bon, hier j'ai dû commencer à diffuser, à faire les matchs vers le 3h du matin, je crois, je sais, c'est plus 2h et quelques, 3h. Bah, du coup, j'ai fait 3 matchs, 3 défaites, super, et la coupe, et j'ai raté la coupe. Donc contre Bastia, une lourde défaite contre Dijon 4-1. Du coup, après les 3 matchs, j'ai dû arrêter. Je me suis dit, bon, c'est pas le moment, c'est pas le jour. Ça se trouve 3h du matin, 4h carrément. Donc j'ai préféré arrêter jusqu'à la prochaine en espérant que cette fois-ci je suis en forme. Bon, on va commencer. Moi, je suis éliminé de la coupe, il me reste que le championnat, c'est bon pour le calendrier, ça devrait le faire. Alors, au niveau des négociations, j'ai fait quelques petites recherches hors diffusion. Chercher quelques joueurs qui me coûteraient pas cher. Par exemple, Iturbe. Mais son salaire est de 2500, donc j'hésite beaucoup. Lui aussi, 2000. Il y a Brahimi, 1300. J'ai fait signer d'ailleurs, il s'apprête à rejoindre. Et Philippe Ferreira, lui aussi, gros gagnant, 9000. C'est vraiment 500, ouais, 9000. Ah putain, je pensais pas. Club, bah, je l'ai j'ai mis tout le monde en vente. Ouais, tout le monde espérant que peut-être pas au mercato d'été prochain qu'il n'y a pas d'argent, puisqu'en fait c'est pour prendre des joueurs libérés. Et j'ai fait quelques petites recherches et il y a pas mal de joueurs libérés. Voilà, pratiquement tout ça sont libérés. Enfin, pas tous, il me semble qu'il y en a 3 ou 4 où ce sont des joueurs que j'aime bien et qui sont pas libérés comme des pays. J'aime bien ce joueur, si je peux l'avoir un peu plus tard, ce serait pas mal. Il y a Alejo. Bah, je vous laisse regarder plutôt. Que j'aime bien. Il a 35 ans. Et le truc, c'est que je vais pas mettre 2000 et quelques quand même. Et encore, il est pas content. Mettre 2500 et même s'ils prennent que le c'est une demi-saison, ça fait 1000 1250, ça fait cher quand même, prendre la moitié de ce qui me reste. Alors un défenseur, et lui va me prendre combien? 2000, magnifique.
Ouais, on verra. Je vais chercher d'abord un défenseur. Il y a lui, mais pff, il me prend cher, lui. 1900, je vois salaire 1900, mais en fait. Ouh. Cher ça, 2500, ça fait 1250 vu que c'est la moitié de la saison. Il y a Raphaël, mais lui c'est encore pire. Bon, 3000, ouais, magnifique. Et encore, il est pas content, putain. Bon, on va laisser, on verra plus tard. Je vais peindre Morteno. On va le prendre. Le problème, c'est qu'il va prendre beaucoup, celui-là, oh, putain. Bon allez, parce que vraiment, parce que c'est le seul. Bon, on va le prendre. Hein, on verra. Je vais regarder, il me faut qui là, il faut que je renforce qui là. Après un défenseur, non il sera à peu près là. Il faudrait un Illy.
Je vais voir si je peux trouver un ailier. Ah, mais il me coûte cher celui-là. Il y a Belandor. Ah, il me semble que je peux plus là. Ah ouais, ah ouais, j'ai déjà les 5. Ok. J'ai mis qui dans les 5 que je me rappelle plus là. Peut-être l'enlever sur 2000, il prend cher là. Je vais risquer ce que ça donne. Ouais, lui aussi, mais bon, c'est pas sûr hein, que je le prenne, 2000 et quelques là. Brahimi, je l'ai pris déjà. Et je vais sur les côtés. Ah oui, bah c'est lui ce qu'il me fallait hein, sur les côtés là, je sais pas pourquoi j'ai pris. Transfert confirmé, 76, ouais, arrière latéral, je vais le mettre sûrement sur. Bref, on verra, on va faire un autre match, allez hop, c'est parti. Formation, j'ai acheté le nouveau Golf qui m'a coûté de l'argent. Donc là pour le match on va enlever lui et on va mettre Castoli 65 62. Ah ouais, lui aussi il est en violet, oh là là. Je vais mettre qui là? Ouais, on va changer, on va mettre et on va le mettre là, il est en rouge. Lusitanos. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Voilà, on y est. Début de la rencontre.
est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Pacini. Adrien Ramos. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est bien fait. Il faut frapper là. Bon, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Pacini. Il y va tout seul. Le ballon s'en touche. Adrien Ramos. Bonne interception, il y avait danger. Il va frapper. Il choisit de centrer. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va leur réussir à tôt ou tard. L'accélération. Il continue sa course. Il peut en profiter. Il avait fait le plus dur pourtant. Putain, mais les gars, c'est plus des Ibrahimovic ou quoi là ? Jusqu'au tir, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là ? Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Oh oui, c'est une frappe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui rate? Ah, ça aurait pu faire mieux. Je ne sais pas passer loin. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Bienvenue. Oh, la passe en profondeur. Adrien Ramos. Il a tenté, bien joué. Il reçoit le ballon. Oh, il n'a pu retenir son geste. L'arbitre les obstructions aussi. Hein, c'est... Les joueurs auront beau contester, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Il a l'occasion là d'ouvrir le score. Restez concentré sur son geste. Ouais, on va voir s'il va marquer son premier but. Il permet aussi de prendre l'avantage. Bien joué. C'était important et il n'a pas tremblé. Aucun signe de nervosité. Il avait tiré un peu fort, je me suis dit. Mais ça passe, ça va. Bien, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Et maintenant Rincon. Un long ballon dans l'espace. De l'autre côté de la ligne, ce sera un 6 mètres. Pacini. La frappe! Quel plongeon du gardien! Pacini.
place maintenant. Amadou Ndiaye. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Adrien Ramos. Il glisse le ballon en profondeur. Il marque. Belle action. Il croque maintenant, il avance de 2 buts. Castores. C'est un bon, lui, il a marqué 2 buts là pour son premier match. Quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Attention à cette passe lobée. Deuxième partie de saison, j'ai un bon gardien là. Adrien Ramos. Dans le dos de la défense. Oui, bonne intervention de la défense. Sans la frappe, la tête, ils ont bien joué leur coup en défense. Un ballon dégagé très loin. Ça passera sur le côté. Il peut y aller. Quelle frappe! Au nouvel essai. Mais le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris. Ah, dernier tir, c'est pas ce que je voulais faire. Putain. 2 buts d'avance, il mène pour l'instant 2-0. J'appréhendais toujours premier match, j'apprends toujours là. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Enfin, premier match. Je vois que je commence à jouer là. Toujours premier match, j'ai du mal. Adrien Ramos. Oh, quel geste! Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Bienvenue. Bienvenue. Adrien Ramos. À la limite de la surface. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration, repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Pour trouver la faille dans la défense. C'est bien fait ça. Ça joue. Il a pris tout le monde de vitesse. Et c'est un but. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher une légalisation? Il peut y aller. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Darbion. L'économie du match a quand même changé depuis ce but. C'est vrai, mais il mène toujours. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Bien sûr. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Longue ouverture.
Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. La passe interceptée. Oh bah quand ils dégagent les balles là, ils arrivent toujours sur le joueur. Intercepté, ça soulage la défense. Oliech. Ayaz maintenant. Mahamadou Ndiaye. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il garde ce ballon. Oliech. Attention, occasion. Il fait une passe et le mauvais joueur qui... Il joue dans la profondeur. Et maintenant Rincon. Il garde la balle. Il est à distance de tir. Il peut conclure. C'est au fond des filets. Voilà, bien joué. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Bien, c'est reparti. Et il y a maintenant 2 buts d'écart. Un très long ballon. Quel timing dans l'interception. Adrien Ramos. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Ouverture. Ça, c'est une interception parfaite. Oliech. Et maintenant Rincon. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est fini, le match est terminé. Ils s'imposent et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters. Le talent fait toujours la différence. Que c'est bon d'en avoir une nouvelle preuve aujourd'hui. Il y a eu tout dans ce match. Des occasions, des duels. On s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça. Points d'avance, ouais. Ça devrait le faire. Le championnat il est pour moi normalement. Joueurs sont venus, qui sait? Ah oui, Brahimi et Philippe Massa. Philippe Ferreira.
Voyons voir s'il y a du nouveau. Ouais, apparemment il y a tous un accord. Le défenseur en priorité, on va voir ce qu'il donne. 2500. J'avais proposé 2300. Beaucoup lui, dis donc. Après 6-5 ans, il est content. Oh la pétain. Eh ben. Merde. 2. Bah, du coup, on va diminuer. Hein. Eh bah oui. Je te vendrai avant tes 5 ans. Alors. Tu finisses tes 5 ans. J'ai dit oui, il va diminuer, non, même pas. De 1500, il va prendre Chéro lui. Hein. Bien. Il est rien, 2 millions. Et oui. Il est pas content. Putain. Ah oui, 2 millions, ok, oui, oui, d'accord, oui, 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 ben non.
Bon. Je vais le mettre dans les transferts direct, on verra si j'arrive à... j'ai pris qui déjà? Non. Milieu défensif. Ouais, voilà.
commence à avoir une équipe qui a l'air bon. C'est Sochaux-Montbéliard contre l'US Créteil-Lusitanos. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Et le plaisir est pour moi, Grégoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Santos. Il allonge. Oliech. La passe est précise. Oh, le contre, l'arme fatale. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il glisse le ballon en profondeur. Là. Rolly Los Santos. La passe dans la profondeur. Dans le dos de la défense. Il est à distance de tir. Une occasion. Good. Oh, but. Et vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Maintenant Mignot. Il y va tout seul. C'est bien fait ça. Il est passé, c'est pas fini. Mais non, ça n'ira pas au bout. Oui, mais il est-il bien enfermé. Bon dégagement. Rolly Los Santos. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, ce que j'aime pas, moi, c'est les obstructions. Putain. Pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Centre.
Il relance côté droit pour trouver la faille dans la défense. C'est passé. Il file dans l'axe. Il peut conclure. Quel but! Il compte maintenant une avance de 2 buts. Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Le ballon renvoyé par le poteau. Santos. Pacini. Oliech. Il joue dans l'espace. Ça doit faire but. Il peut en profiter. Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Il est presque chambreur dans sa finition. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. C'est reparti. Le score est maintenant de 3-0. Minutes au chronomètre dans cette première période. Brahi. Il glisse le ballon en profondeur. Le centre dans la surface. Le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. Un long ballon dans l'espace. Ça, c'est une interception parfaite. Ça peut être extrêmement dangereux. Il a tenté, bien joué. L'accélération. Et c'est le but. Ouh là là, très très beau but. T'as pas vu ça? Clairement un match à sens unique. Karim Bourg derrière. Ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Chouf, 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 chouf. Ouais, c'est ça, ouais. Karim sur le chat qui me chambre. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Il écarte, il joue sur l'aile. Brahimi. Réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Le voilà servi. Oliech, il file droit au but. Un peu d'oxygène pour sa défense. La chance. Dans le dos de la défense. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Et on regarde le tableau d'affichage et on se dit qu'il y a un monde entre ces deux équipes. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il garde ce ballon. Va-t-il en profiter ? Il tente de la jouer dans l'espace. Il tente la frappe.
intercepté, ça aurait pu faire mal. Continue à avancer. Rolilo Santos. Il est sorti du jeu. Oh, la passe en profondeur. La belle interception. Rolilo Santos. Oliech. Scandaleuse, inadmissible. Chouf, chouf, Karim le tacle. Je croyais que c'était Karim au moment. Je crois que c'était toi. C'est logique. Il a l'air de souffrir. Ça inquiète ses coéquipiers, visiblement. Oh, l'accélération. Encore un centre. La défense s'en sort là. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. Il y a encore la possibilité d'un changement. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Oliech. Pas hésiter, c'est propre. Une très longue passe. Il joue dans l'espace. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Oliech. Il tente de la jouer dans l'espace. Chercher la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Rolilo Santos. Une très grande ouverture. Dans le dos de la défense. Oui, c'est une frappe. Ça peut partir en contre. Il a pris tout le monde de vitesse. Il reçoit le ballon. Il centre, c'est tendu. Rolilo Santos. Ça va partir vite. Oh, il est parti là. Il remporte son duel. Rolilo Santos. Il glisse le ballon en profondeur.
Fossurier. Maintenant Mignot. Rolando Santos. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Quel timing dans l'interception. Et ils alourdissent la marque. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Longue ouverture. Longue passe et le drapeau s'est levé. Il tente de la jouer dans l'espace. La tête, attention. Ah, quel dommage ce succès qui leur échappe sur cette ultime tentative. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement... Bon bah, 5-0. Il y avait de l'envie, de l'engagement, un rythme tout simplement incroyable. C'était presque le match parfait. Merci Darren Tulen d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. Bon, j'ai une équipe meilleure que la première partie de saison, ce qui fait que normalement, théoriquement, c'est plus facile en... ça va être plus facile en deuxième partie de saison. Auxerre a fait match nul, Orléans-Savigny a fait match. C'est bon pour moi ça. 50 points, oh là là. Il va me ruiner lui. J'ai plus d'argent, Karim, donne-moi un petit peu.
2 400 000, il a bu l'eau quoi là. Sans rien, si tu me prends plus de 2 millions, allez hop, dégage. Belle Honda de merde. Lui, il me prend combien? 1 700. Itoubi, on va voir pour 1 800. La moitié de 1 800, ça fait 900. Et lui, il va prendre pareil, 1 million. On va prendre défenseur d'abord. On va prendre moins et on va négocier encore. Je suis pauvre, je suis 800, enfin 900. Merde. Bah du coup on va annuler lui hein. Prochain match.
Chamois Niortais. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Il y va tout seul. Ouf, ils vont pouvoir un peu respirer. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est une remise en jeu. Il joue dans l'espace. Salut My Capricorn, My Capricorn Award. Dans le dos de la défense, la passe est précise. C'est dégagé loin devant. Tout seul, il tente de la jouer dans l'espace. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il marque. Ouais, bon bah, erreur défensive là. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. N'attendez peut-être pas une ouverture du score si rapide dans ce match. Il glisse le ballon en profondeur. Pacini. Continue à avancer. C'est quoi ce passe en profondeur là? C'est joué loin devant. Quel timing dans l'interception. Pour trouver la faille dans la défense. C'est passé. Il garde ce ballon. Adrien Ramos. À droite. Il peut y aller. Le voilà servi. Il file vers le but. Donc pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il garde la balle. C'est centré dans l'axe. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Oh, il est parti là. Oh oui. Ça sent la frappe. La passe interceptée. Danger repoussé pour le moment. Karim, c'est mon coach, Karim. Il glisse le ballon en profondeur. Aucun problème pour le gardien. Il me prend à faire des sombreros et tout. Et merde, qu'est-ce que je fous là? Ce n'est pas pour lui là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi de jouer long. De la défense. Il joue dans l'espace. Il n'est pas hors jeu. On a failli voir un but magnifique. Merde. Le
C'est un droitier, il tire du gauche. La passe dans la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Voilà une bonne occasion de contre. Il reçoit le ballon. Il va se présenter devant le but. Et il marque. Oh, 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 oh. Magnifique sûr. Il croque maintenant une avance de 2 buts. Et techniquement lui. Putain, je pensais pas. Et quand on laisse un joueur démarquer. Pas comme super ça, rapide, mais. Techniquement ça va. Franchement, lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. J'indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Pour trouver la faille dans la défense. Allez, ça peut faire mal. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Et c'est bien tout seul, il rate. Putain. Ah, et ben. J'aurais pu le faire. Je sais pas passer loin. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Tout seul. Ce contre peut très bien aller au bout. Il file dans l'axe. Putain, mec, j'ai couru comme un yachal. C'est déjà la pause. J'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Adrien Ramos. Jaillissement, il fallait intervenir. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Pacini. Putain, la passe, c'est quoi cette passe là? Qu'est-ce qu'il fait? Il allonge. Il a du champ sur le côté. C'est ça, mais tu m'as pris pour qui? Le centre de sa carrière. Il relance côté droit. Dans le dos de la défense. Ça aurait été net, mais putain. La défense se donne de l'air. Le ballon sort en touche. Mais non. D'accord aussi là, il s'arrête d'accord. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Ah, de l'activité sur les bandes touches, changement peut-être. Ils ont pas mal tenté jusqu'ici, mais sans résultat. Peut-être que ce changement peut les aider à ouvrir le score. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli.
Le gardien loin devant. Le bon service. Le calcul est sûr. Il tente de la jouer dans l'espace. Benaglio, il gère sereinement, tranquillement. Mais non, c'est quoi ça? On parlait, je voulais mettre là. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. Adrien Ramos. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il glisse le ballon en profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Attention à cette passe lobée. Oh, il joue l'attaque, on voit bien qui joue l'attaque. De faire des techniques, mais comme ils sont lents là au démarrage, là, faire un technique de merde. Oliech. Une très longue passe. Ouais, il est solide dans ses duels. Encore une occasion chaude, mais ça n'est pas allé au bout. Ramos, ça peut partir en contre. Va-t-il en profiter? Une occasion! Et c'est le but! Pas besoin de 36 occasions, faut être clair que là. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Le long dégagement du gardien. Ça, c'est une interception parfaite. Pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Il parvient à centrer. Tout seul. C'est fini, la fin du match. Aucune contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité, c'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football. Merci à Rennes Tunnel d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. Merci mon petit Karim.
Itour là. Des joueurs. Alors, il lui va me proposer 1800. Ouais, demi-saison, ça fait... Ouais, 900, il va me prendre 900 et quelques. Ouais, hop, on va le prendre. Voilà, il me reste 488. Ouais, je suis riche. Alors, j'ai trouvé tout ça comme joueur libre. Il m'a fallu du temps pour trouver tout, mais... Et j'ai pris que les joueurs qui en valaient la peine. Il y avait Belandom, il me prend trop, il me prend tout de 2 millions, lui, au transfert. Je dis, laisse tomber, toi. Tu vas pas me prendre 2 millions. Ok, t'es plus chez moi. Y'a qui chez Itur, on va le retirer, il est chez moi. Ouais, on va arrêter là, je crois, hein, parce que... On va finir la saison comme ça, après on verra. Voilà. Salut Mister Omar, comment est-ce? Bon, j'essaie.